quoi que tu viens de mettre en dedans? Hein? En dedans de quoi? Ben, en dedans du chemin que ma mère prend souvent. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là, toi? Ben, je dis que tout le monde. Non, mais je t'en prie, t'oreille, c'est personnel. Veux-tu me dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hein? Quand t'es pas dans la lune, tu chantes. Quand tu chantes pas, tu soupires. À ce que je sache, c'est pas défendu d'être heureux. Peut-être. Seulement, je te défends d'être heureuse de même si c'est pas à cause de moi. Qu'est-ce que je voulais te demander de la... Marie-Rouge, je te défends de faire ce chemin-là à qui que ce soit, même en photo. Mais j'ai droit à une vie privée, éclair. Hey, bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Hey, je venais vous porter votre paye, mais je peux m'en passer. Non, non, mon beau Patrick, en or! Excuse-le, le vendredi est jamais de bonne humeur. Merci, Patrick. Mais écoute, il y a donc bien de la place là-dedans. Justement, à ta place, Hector, moi, j'irai fermer l'arrière-magasin, sinon... tu risques qu'il y ait au moins une des deux enveloppes qui ne sortent jamais de là. Depuis quand que notre couple est un matriarcat? Mais depuis toujours! Dis-moi pas qu'il vient juste de s'en apercevoir. Coudonc, il n'a pas l'air de bonne humeur. Il n'est pas content que tu aies loué un chalet dans le Nord pour le week-end? Chut! Une surprise que je vais lui annoncer à la maison juste avant de partir. J'ai hâte de voir sa petite face quand tu vas tomber ça. C'est drôle? Hein? Je vais la sourire avec vos autres. Mais il n'y a rien de drôle. Je souriais, tout simplement. Oui, je racontais une histoire de Marie Cocu. Oui. Voilà. Je sais, ça m'intéresse pas. Depuis quand tu comptes des histoires de Marie Cocu à ma femme, boy? Oh, je t'en prie, Hector. Va chercher les manteaux, il est 5 heures. Trouve pas ça drôle, moi, des histoires de Marie Cocu. Pour moi, il se doute de quelque chose. Voyons donc. Je te remercie, Patrick, de m'avoir référé à l'agent d'immeuble Préfontaine. Grâce à toi, j'ai trouvé le chalet de mes rêves. Oubliez ça, ça m'a fait plaisir. Puis ça vous bec, ça. Oh, oui, hein? Hein? Ce qui se passe, hein? Des histoires de cocu, ma femme qui embrasse le patron. Oh, ben voyons, attends, tu connais les goûts de Patrick. Mais pas que t'as l'intention de le changer? Bonjour, c'est moi! Beau petit Pierrot d'amour! Pierrot, je commence mon grand ménage du printemps, puis je vais avoir besoin de ton aide. Voyons, maman, il y a bien trop de bonheur pour commencer son ménage du printemps. Mais je prends de l'avance, Pierrot! Belle maman, êtes-vous prête pour le grand ménage? Non! Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je pense que Marie-Rose est en train de faire le grand ménage, mais sur moi. Mais voyons donc, vous êtes pas sale! Non. Elle nettoie tout. Elle est en train, probablement, de sortir mon linge, là. Hein? Ouais. Elle a tous les symptômes d'une femme qui a un autre homme dans sa vie. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Monsieur Potvin, là, restez calme. Pas de panique. Après tout, belle maman, c'est pas la fin du monde, hein? Asseyez-vous, là. Ouais, c'est une choisie. Ben, levez-vous, faites quelque chose, restez pas là! Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Quant à moi, là, je mange de la vache enragée. Ah bon, encore un drame. Hé, belle maman, un autre homme dans sa vie! Ah ben, fallait s'y attendre. Quand on n'est rien qu'à côté. Oh! Oh ben, une autre frange de même, là, puis ça va arriver à un homme marié. Des promesses, des promesses. Mais monsieur Potvin, allez-y donc, allez y parler à Marie-Rose. Ah, pour ce que ça va donner. Mais oui, Pierrot, j'y ai fait une surprise. J'offre à Hector une fin de semaine dans un chalet dans le Nord. Et penses-tu qu'il va être surpris? Oh, pour ça, oui! Mais reste pas là! Aide-moi à sortir le linge d'Hector, là, puis fais sa valise. T'es déjà en train de faire ma valise! Oh, des problèmes, encore des problèmes, toujours des problèmes! Hey, Pierrot, regarde la photo. Il est-tu beau? Oh, pour être beau, il est beau. Oh, tu sais, la photo lui rend même pas justice. Hey, il a l'air grand par de ça. Il est. Tu le trouves beau, hein, Pierrot? Beau de même, ça se peut pas. C'est assez! C'est assez! C'est rien, ça, à côté de ce que je vais y faire quand je vais le pogner en chair et en os. Mais Hector, pourquoi tu déchires la photo du chalet dans le Nord que je t'offre pour le week-end? Mais réponds, Hector, réponds! C'est parce que je l'ai perdu, là, non?
Bon, allume ta flash, là, ma loulou. Mais t'as allumé, Hector? Oh! Les batteries sont à terre. Non, non, ouais, ramasse-les. Mais t'es pas drôle, Hector. Maman, ouais, donne-moi la clé, là, on ouvre la porte. Oui. Ouais. Une minute, là. Mais là. Hein? Ouais, la clé, ben, les roses. Mais hein? Oui, laisse-moi le temps, Hector. Tu vas pas t'oublier la clé, quoi. Hein? Veux-tu arrêter de m'énerver? Hein? Elle a oublié la clé. Je n'ai pas oublié la clé. Hein? On n'a pas eu quoi. Je l'ai perdue. Hein? Une heure et quart pour venir ici, puis tu vas me dire là qu'on peut pas rentrer. Excuse-moi, Hector, je ne l'ai pas fait exprès. Mais il manquerait plus rien, ça. Oh, oh, moi, tu voulais te faire une belle surprise en t'offrant un beau week-end dans le Nord. Pleure pas, Marie-Rose. Attends, regarde, regarde à côté du palais, là. Il y a une échelle. Attends-moi ici une seconde, là. Mais, Hector, fais attention! Ben, vois-tu une fenêtre ouverte? Là, elle est ouverte, par exemple! Bon, maintenant, là, c'est le grand coup, là, je me swing dans le chalet! Je l'ai trouvé, la clé! Oh, mon amour, que tu fais mal! Ah, non. Non, tu sais, je descends trop haut les escaliers de même. Hey, tu t'es pas fait mal, hein? T'es sûr que tu t'es pas fait mal? Je suis sûr. Arrête de me tapocher, là, m'a fini par l'avoir mal, va-t'en. Tiens, viens, viens. Oh! Hey. Oh! Puis, comment tu l'aimes, le chalet que j'ai loué? Ben... Oui? Ben, c'est un chalet dans le Nord. Tu l'aimes pas? Oui, je l'aime, oui. Je l'ai loué pour toi. Hein? C'est un cadeau que je veux te faire. Un cadeau? Non, pourtant, c'est pas ma fête. Non, Hector. Dis-moi pas que j'ai oublié notre anniversaire Dakota. C'est simplement un cadeau pour te remercier de m'avoir donné tant de bonheur. Oui, donc. Ça me fait plaisir, ça, moi, Marie-Rose. Pour te remercier d'être ce que t'es. Oui, j'ai pas de mérite. Moi, je suis faite de même, monsieur. Hector, est-ce qu'on t'a déjà dit que t'es beau? Oui, ben, ça fait un bon bout de temps. Je pense que c'était en 1941 ou 42 la dernière fois. Ah, pour moi, t'es le plus bel homme que j'ai jamais rencontré. Pas ce petit diable dans ta vie, toi, Marie-Rose. Hey, si j'avais le choix, là, entre Burt Reynolds et toi, c'est toi que je choisirais. Ouais, là, tu commences à me faire peur un peu, par exemple. Parce que, ou t'es sénile, ou t'essayes de me faire quelque chose que je veux pas faire. Ouais. Hein? Tu sais, pour moi, t'es un sex symbole. Ouais. Oh, quand t'es grillé en été, on dirait Michael Jackson. Bon. Alors, bon, il a dit, dis-moi-le, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein, ouais. Mais rien! Rien, je veux juste te regarder. Ah, mais je l'ai. Tu veux que j'aille chercher les valises, c'est ça, hein? Ah, j'ai jamais été capable de te cacher quoi que ce soit, hein? Ah, il est cute. Mais il est naïf. Deux. Non. Hein? Un, trois, deux. Est-ce que je suis chez l'agent d'immeuble Nicole Préfontaine? Marie-Rose Séguin qui parle. Pour vous dire que j'ai pris possession du chalet pour le week-end. Êtes-vous toujours d'accord pour me louer à l'année longue quand je serai décidée? Avertissez-moi si quelqu'un veut le louer. Oui. Ah, soyez pas inquiète, je vais vous passer le bail d'ici 3 jours. Là, tout ce qui me reste à faire, là, c'est de convaincre mon ami Hector de venir vivre dans le Nord à l'année d'après. C'est ça. Oh, ben, gardons ça. Et c'est un vrai beau chalet, regarde, là. Le téléphone marche, je viens de le vérifier. Les lampes marchent, tout marche. La porte, hein? Elle marche pas tout seul. Oh! Bon, ben, moi, je vais monter les valises.
Fais attention en montant les valises, là. Oui, autant, Marino, je suis tombé tantôt, c'est parce qu'il fait un noir. Oh, que c'est beau! C'est beau, un homme vaillant. Non, mais fais attention, Thor. Merde, tu sais, c'est niaiseux pour faire deux fois la même erreur. Oh! Hé, hey, Hector, je te l'avais dit de faire attention. Mais oui, puis moi, je te l'ai dit que j'étais pas assez calme pour faire deux fois la même erreur. Viens dans mes bras. Oh, enfin, tout seul, tout le temps. Un couple d'amoureux seul dans la nature. Mm-hmm. Notre petite maison dans la prairie. Juste pour nous. Puis juste pour le week-end. Et que c'est beau. Oh, regarde, regarde le vieil arbre centenaire, là. T'as raison, Mara. C'est vrai que c'est bien beau, bien beau. Tu trouves, hein? Ah oui, ah oui. Et un bel arbre, ça. Pareil comme celui qu'on a en ville en face de chez nous. Oh, oh, que c'est romantique. Hein? Viens voir la lune. Ah, ouais, t'as raison, c'est beau. Pareil comme en ville. Mais non, c'est pas pareil comme en ville, Hector. Voyons, Marie-Rose, y'a pas à quoi qu'il y a deux lunes, toi. Une lune pour la campagne, puis une lune pour la ville. Voyons. Oh, oh, écoute le calme. Écoute le silence. Ça, c'est pas comme en ville. Oh! Ah, mais ça s'en vient, par exemple. Ah oui, la main au moitié des rues, mais oui, oui, oui. T'es né dans la nature, qu'est-ce que ça représente pour toi, la campagne? La campagne, oh mon Dieu, la campagne, ça veut dire les routes bloquées, ça veut dire pas de job, ça veut dire la maudite pompe à eau qui jambe. Non, as-tu fini, là, Hector? Je pense que oui. Ouais. Ah! J'oubliais! Ça veut dire les maudites pannes d'électricité aussi. Ah! Ah, ben, tu vois, ils l'ont réparé bien plus vite qu'en ville. Écoute, Malo, c'est une idée que je me fais, mais il me semble que. Il me semble que tu essayes de me vendre la campagne, là. Je veux pas te la vendre, je veux juste la louer. Comment la louer? Louer, oui, louer, comme dans louange, tu sais, faire les louanges de la campagne, tu sais. Y a rien de négatif, hein. Y a du beau partout. Oui, mais c'est parce qu'on dirait que tu essayes de me persuader, là, par en dessous. De déménager à la campagne. Moi, j'essaye de te persuader de déménager à la campagne. Ben, voyons donc, t'es fou. OK. Et tant mieux. Ça me rassure, Marie-Rose, parce que, tu sais, à mon âge, moi, les commodités de la ville, j'aime ça beaucoup. On verra. Oui, on verra. On verra quoi? On verra la nature pendant le week-end puis les avantages de la ville à notre tour. Minute, là, Marie-Rose, une minute. Oh non, je veux pas attendre. Même pas une minute. Hey, on est tout seuls, tous les deux, puis tu m'as pas encore parlé d'amour. Non, mais évidemment, tu vas voir que je suis capable de faire deux choses en même comment temps. Comment ça, deux choses en même temps? En parler, puis le faire. Oh, oh, dis, tu savais comme je suis heureuse, enfin seule avec mon amoureux. Pas de Gertrude, pas de Bertrand. Hey, ça, c'est pas pareil comme en ville. Eh non! Oh. T'es, avoir notre intimité, pas pareil comme en ville, ça, hein? Ah, ça. Non, mais réalises-tu, Hector, qu'ici, là, il y a un paquet de choses qui sont pas comme en ville. T'as raison, hein? Mais tu es en ville chez nous, là. On n'a pas ça, c'est un maudit escalier-là à monter par exemple. Ouvre la porte, là. Oui. On va rentrer. Regarde le camion d'Hector sur le côté du chalet. Penses-tu qu'ils vont être contents de nous voir? Et peut-être qu'Hector voulait être tout seul avec Marie-Rose? Depuis quand qu'Aimarie veut rester tout seul avec sa femme? Bertrand? La porte est pas barrée. Qu'est-ce que t'attends, non? Y a quelqu'un? Y a personne. Ben voyons, Gertrude, tu sais bien qu'il dort. Il est 11 heures.
Les vieux, ça se fatigue vite, ça se couche de bonne heure. C'est pour ça que tu te couches tard, toi? Tu te fatigues jamais? Hein? Mais je dis que tu te fatigues jamais avec moi. Bon, ben, j'attends les valises, hein? Tiens. La petite pour moi. Puis les deux grosses, devine pour qui? Oh, c'est beau, leur chalet! Les chambres à coucher en haut, le salon, une petite salle à manger. La belle vue! Oh! Ben, il manque de rien, hein? Bertrand! Bertrand, viens-t'en! Viens-t'en, on retourne à Montréal, je reste pas ici une minute de plus, moi. Viens-t'en, Bertrand! Qu'est-ce que c'est qu'il y a encore? Viens-t'en, Bertrand, on s'en retourne à Montréal! Pourquoi? Ben, je peux pas rester dans une maison, moi, quand il n'y a pas de cuisine. Viens-t'en! Veux-tu te calmer? Tiens, regarde. Hein? T'es contente, là? Oh! Oh, que j'ai eu peur! Ah. Puis quand j'ai peur, moi, j'ai faim. Ils n'ont pas eu le temps de faire le marché. Donne-leur une chance. J'en prends jamais de chance, moi. Bertrand, va porter ça dans la cuisine, puis vide là. Dis-moi pas que t'as rempli ta valise. Laisse faire, puis fais attention à la vida. Parce que j'ai mis dans mon manchon un beau petit gigot d'agneau. J'ai mis des saucissons là, partout sur les racks à habits. Puis à travers les peignes, les broches, puis les pots de maquillage. J'ai mis des cornichons partout, 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 partout. Écoute, Bertrand, vas-y. Sans ça, je commence mon ski de chalet tout de suite. Okay. Bertrand, fais pas de bruit, Hector rêve. Bertrand, belle maman rêve aussi. Oh, ils s'aiment tellement ces deux-là, là, qu'ils rêvent la même chose en même temps. Oh! Oh, ben là, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Réveillez-vous! Réveillez-vous! Réveillez-vous, vous rêvez, c'est un cauchemar. Ayez pas peur! Ayez pas peur, vous êtes pas en danger! Je ne sais, je peux être pas en danger, mais vous, vous ne l'êtes pas, par exemple. Pardon, une façon de recevoir la parenté? Madame est servie. Madame est servie. Madame est presque servie, oui. Monsieur Pépin, mais dites-moi pas que ma femme vous a réveillé. Non, elle m'a pas réveillé. Est-ce que vous avez crié de même d'abord? Elle l'était réveillée. Ah, je comprends. C'est maman qui dormait. Non, votre mère puis moi, on dormait pas ni un ni l'autre. Est-ce que vous faisiez dans votre chambre dans ce cas-là? Mais... Hein? Bingo. Oh! Mm. Oh, excusez-moi. Ah, excusez-la. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que laisser la porte débarrer, bon Dieu? Dis-moi, Hector. C'est moi qui ai oublié de la verrouiller. Réveillez pas plus fort, je comprends rien de ce que tu me dis. Tu vois qu'est-ce qui arrive quand les portes sont débarrées? N'importe quel maudite bébite peut rentrer. Hein, Dédé, donnez-moi un meuble que quand on barricade la porte, la vermine rentre de partout. Ben, je t'en prie, Hector, calme-toi. Oh non! Ils étaient en train de Oui. Oh mon Dieu, Bertrand, j'ai tellement honte. Viens-t'en, on s'en retourne à Montréal. Le truc, Montréal, c'est pas dans la cuisine. J'ai tellement honte que je m'en retourne à Montréal, moi! Sorry, pas faire d'une erreur, c'est une erreur. Je m'en retourne à Montréal toute seule à pied, c'est le fond! N'oubliez pas de mettre votre 50 cents dans le poste de payage en passant. C'est une pièce pour un camion. Oh! Ah, oh, ben là, c'est assez, ça suffit! Belle maman, je pensais bien faire, moi! Ben oui, je le sais, Gertrude. Bon, ben écoutez, là, on va tous aller se coucher, puis... Ça va calmer tout le monde. Oh, belle maman, vous êtes sûre qu'on dérange pas, hein? Ben, voyons donc, Gertrude. On dérange pas plus qu'eux autres nous dérangent à Montréal. J'allais le dire, Bertrand. Votre chambre, c'est celle à gauche. Chez nous, en ville, vous avez la plus grande. Belle maman, je vais faire votre ménage. Non, vous êtes bien gentille, mais... Et je vais laver votre linge aussi. Non, c'est pas nécessaire, Gertrude. Oh, je vous dérangerai pas, belle maman. Je vais me faire tout petit, tout petit, tout petit. Gertrude,
C'est pas possible. Quand vous trouve très gentille, lui aussi. Oh, belle maman, vous me verrez pas, vous m'entendrez pas. Ça m'étonnerait. Je peux pas le faire taire indéfiniment, là. Bonsoir. Bonsoir. Adieu, fin de semaine à la campagne, un amoureux. Tiens, tiens, tu prends goût à la campagne. Pour être seul, toi et deux, nous autres, Marie-Rose, bon vieux, faudrait émigrer. On va émigrer dans notre chambre. Puis si tu veux, on va continuer ce qu'on avait commencé. Ouais, mais ça ne fait rien, là. On va tout recommencer ça du début. Mais quoi, tu prends l'idiot? Il n'y en est pas question, je tiens à ma peau. S'il fallait que ça défonce, tout ça. Mais d'abord, je vais aller te rejoindre dans l'idiot. Le train. Je vous vois, là, puis je vous entends. Excusez, je vais aller te rejoindre dans le lit du haut. Excusez. Ah. Il y a une vitre de cassé ici, on fait. Ben oui, je sais qu'il y a une vitre de cassé. Faites partir vos choses. C'est une bonne idée, ça. Ah. Il se gargarise en prenant sa douche. Au sol mio, merveilleux, au sol mio. Hey, bonne nuit. Oh. Enfin. Au sol mio, bonne nuit tout le monde. Eh oui, bonne nuit, Jacques. Bonne nuit. Oh mon Dieu, Monsieur Potvin, je pense que la porte d'entrée est restée débarrée. Je vais y aller. Non, va y aller. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Oh! Descends te rôles, les escaliers de même, moi. Oh, oh. Arrêtez, Fred. Oui, on ne pourra pas dormir. Et donc, retiens-toi. Oh, si c'est cute. Juliette sur le balcon, puis Roméo sur la derrière. OK.